Voilà, bonjour à tous. Nous allons parler du combat spirituel. Pour cela, nous allons parler des démons. Les démons, l'origine des démons n'est pas clairement stipulée dans la parole de Dieu. Certaines personnes disent que ce sont des créatures qui sont pré-adamiques et d'autres personnes disent que ce sont des anges déchus que Satan a entraînés avec lui. Comme vous savez, la Bible dit que Satan a entraîné un tiers des anges avec lui dans sa chute et certaines personnes disent que ce sont des démons. Mais après avoir effectué des recherches dans la parole de Dieu, je n'ai pas trouvé de preuves qui peuvent accréditer l'une ou l'autre des théories. Et je pense que si cela n'est pas clairement stipulé dans la parole de Dieu, je pense que Dieu n'attache pas d'importance à ce que l'on connaisse l'origine des démons, mais ce qui est important, c'est que l'on soit délivré des démons, bien sûr, et qu'on reconnaisse leur influence afin de ne pas être influencé par eux. Les démons sont aussi appelés esprits méchants, esprits mauvais, esprits impurs, ou ils portent le nom de leur fonction, comme par exemple un esprit d'infirmité, un esprit sourd et aveugle, un esprit muet. La Bible nous en parle. Il est important pour nous dans le combat spirituel de ne pas aller au-delà des Écritures, de rester dans les Écritures, de ne pas aller au-delà des Écritures. Une recommandation importante avant d'aller plus loin dans le combat spirituel, la parole nous déclare de faire la guerre avec prudence et selon certaines règles. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 4. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Ce qui signifie que dans le combat spirituel, nous avons des règles à respecter. C'est ce que nous allons étudier, ce que nous allons voir. Proverbe 20, verset 18 nous dit aussi « Les résolutions s'affermissent par le conseil, fais donc la guerre avec prudence. » Pour nous, il est important de nous engager dans le combat spirituel, de recevoir des enseignements avec prudence, toujours appuyé sur la parole de Dieu et révélé bien sûr par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Jude 1, verset 8, « Eh bien malgré cela, ces individus font de même, leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant l'archange lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse ». Une autre traduction dit « Que le Seigneur te réprime ». Venons de voir que Jude nous vient de dire de ne pas ajouter l'ennemi, ce qui signifie que nous devons avoir une attitude d'humilité et non une attitude orgueilleuse. L'orgueil vient de Satan, l'humilité vient de Christ. Et nous sommes appelés à être comme Christ, pas à être comme l'ennemi de notre âme. L'humilité est une arme puissante dans la délivrance. L'humilité, c'est notre soumission à la parole du Seigneur, notre accord avec la parole du Seigneur. L'humilité, ce n'est pas « oh, je ne vaux rien, j'y arriverai pas ». L'humilité, c'est être d'accord avec Dieu. Amos 3, verset 3 nous dit « Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord ?» Quand nous voulons marcher avec Dieu, et pour pouvoir marcher avec Dieu, il est nécessaire que nous soyons en accord avec Dieu. Dans le texte que je venais de vous lire, dans Jude 1, verset 8, nous avons vu que l'archange Michel lui-même, et que la Bible déclare qu'il s'est gardé de proférer un jugement insultant. Ne faisons pas cela, cela n'est pas nécessaire, la parole de Dieu nous recommande de ne pas le faire. Et il est vital pour nous aussi de comprendre que l'ennemi agit ainsi, pour savoir comment l'ennemi agit, ainsi il ne pourra pas nous tromper, comme le dit le texte ci-dessus. Venez avec moi dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Il est dit de cette façon, Satan ne nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. C'est selon la traduction « parole de vie ». Ici, il est dit que Satan ne nous trompe pas. Une autre traduction dit « pour ne pas laisser au Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins ». Une autre traduction encore dit « pour que nous ne soyons pas dupes, afin que nous ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Donc nous voyons, comme nous sommes dans un combat, qu'il est important pour nous de connaître les intentions, de connaître ses desseins, pour ne pas être dupes, pour ne pas nous laisser tromper, pour ne pas nous laisser égarer, pour ne pas nous laisser séduire. Et c'est justement le but de tous ces enseignements. Éphésiens 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses
de Satan. L'ennemi a attaqué Jésus. Il a été essayé par la ruse, il a essayé de mettre en doute la parole de Dieu. Il a attaqué Jésus dans son identité. Il a toujours dit « si tu es réellement fils de Dieu ». Et pour cela, il est important pour nous que nous connaissions notre identité. Toutes les prières, ou une grande partie des prières du Nouveau Testament, les prières de l'apôtre Paul, ne sont pas pour les inconvertis, elles sont pour l'Église. Afin que nous reconnaissions qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est cela qui aura une influence aussi pour nous dans l'évangélisation, que nous allons évangéliser non avec crainte, mais que nous allons évangéliser en tant qu'ambassadeurs de Christ, dans la puissance du Saint-Esprit et avec l'autorité que le Saint-Esprit nous confère. Nous voyons Satan a tenté Jésus. Dans Luc 4, verset 13, il est dit « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Cela signifie que Satan est revenu pour chercher une occasion favorable. Satan a fait cela avec Jésus, qu'il est revenu plus tard pour chercher une occasion favorable. S'il l'a fait avec Jésus, à combien plus forte raison le fera-t-il avec nous? Mes amis, nous sommes en guerre. C'est pas possible d'être suisse, excusez-moi pour les Suisses, mais ce que je veux dire par là, c'est pas possible d'être neutre. La Suisse est reconnue pour sa neutralité, c'est pour ça que j'emploie ça, c'est aucune injure vis-à-vis du Suisse, nous vous aimons, nous vous bénissons. Mais c'est pour bien faire comprendre que nous ne pouvons pas être neutres. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi, dit Jésus, est contre moi. Et nous devons choisir notre camp. Nous ne pouvons pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Nous devons choisir notre camp. Là, nous allons voir que les démons sont des esprits. Ce qui signifie qu'ils sont, c'est des esprits, mais ils sont aussi immatériels. C'est pour cela qu'ils cherchent des corps où habiter, afin de pouvoir contrôler les corps et de pouvoir ainsi mener à bien leur dessein. Nous allons étudier leur fonction, leur nom aussi, afin de comprendre de quelle manière ils agissent, et cela nous permettra de reconnaître leurs activités et ainsi, justement, les empêcher d'agir. Un ennemi dont on connaît les stratagèmes est un ennemi à moitié vaincu. Les démons, le mot grec vient du mot daimon, et comme nous allons le voir dans notre étude, ils essaient d'habiter des corps afin de pouvoir exprimer leur nature au travers de ces derniers. Ces corps deviennent esclaves de ces démons, c'est ce que la parole appelle être démonisé, sous l'influence démoniaque. J'aime pas le mot possédé parce que le mot possédé signifie que les démons possèdent toute la personne. Et des fois, j'aimerais bien dire aux chrétiens, sortez enfin de votre démon. Je sais que c'est pas biblique, et je dis ça en plaisantant, mais il y a des fois, les chrétiens, ils sont tellement... Oui, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela. On croyait qu'ils sont rentrés dans un démon, et que c'est eux qui possèdent le démon, et que c'est le démon qui a toute l'influence sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas possible qu'un démon, ou qu'un chrétien possède un démon, et autant c'est pas possible qu'un démon possède un chrétien. Je n'ai jamais rencontré de personne entièrement une personne possédée, où un démon avait toute l'influence sur la personne. Par contre, j'ai rencontré des personnes démonisées, où des parties de leur corps, de leur être, étaient sous une influence démoniaque. Nous voyons cela dans Matthieu 15, verset 22. « Et voilà qu'une femme cananienne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Une autre traduction dit, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Une autre traduction dit, une femme de cette région, une cananéenne arrive, elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. » Et nous voyons dans ce texte différentes expressions traduites par le mot grec « démonisé ». Démoniser ne signifie pas posséder, car cela signifierait que la personne est complètement et totalement sous l'influence des démons. Cela signifierait un contrôle total de la personne. Je me répète, j'ai rencontré des personnes démonisées, bien entendu des chrétiens, parce que la Bible a dit qu'il faut chasser les démons. Et je recommande à personne de chasser les démons des inconvertis. Parce que la Bible dit que la maison sera vide et que l'esprit part et qu'il cherche sept autres pour habiter dans cette personne.
Donc c'est complètement illogique si la personne n'accepte pas Jésus et n'est pas chrétienne de chasser les démons de cette personne. En plus, son intelligence ne sera pas renouvelée, la guérison intérieure ne sera pas faite, les émotions seront encore blessées et bien qu'on peut chasser les démons, ils pourront revenir parce que les portes continuent à être ouvertes. Je ne crois pas aussi qu'il existe de ministère de délivrance. Comprenez-moi bien, je crois qu'il y a des dons, des gens qui ont un don de délivrance, c'est ce que la Bible dit, mais je ne crois pas qu'il existe de ministère de délivrance. Je crois qu'il faut être équilibré. Jésus était équilibré, il chassait pas que les démons, il guérissait les malades, il annonçait l'évangile. Jésus est toujours encore notre modèle. Et je crois que ce n'est pas sain et que ce n'est pas juste qu'un ministère fasse uniquement de la délivrance. Alors nous avons vu différentes expressions traduites par le mot grec démonisé et nous avons vu que cela signifie une partie qui est possédée mais pas toute la personne est possédée. Nous voyons dans Matthieu 12 verset 43, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée, il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Qu'est-ce que cela nous montre vis-à-vis des démons ? Ce texte nous démontre qu'ils ont une mémoire et qu'ils se rappellent d'où ils sont venus. Ces textes nous démontrent que les démons peuvent habiter des corps humains, qu'ils ont une volonté, qu'ils réfléchissent, une volonté qui leur permet aussi de résister lors de la délivrance. Mais il est important pour nous de savoir qu'ils doivent nous obéir parce qu'ils ont été, écoutez bien ce que je vous dis, ils ont été programmés pour nous obéir. Ils reconnaissent ceux qui ont autorité sur eux, c'est ce que nous verrons encore plus loin. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne quittent pas le corps, c'est qu'ils ont un droit légal pour ne pas quitter le corps, par exemple, un péché non confessé ou un manque de pardon. Demandez au Saint-Esprit pour quelle raison le démon n'obéit pas lorsque vous faites la délivrance, pour quelle raison le démon ne quitte pas la personne. Ce texte aussi nous montre que les démons peuvent se déplacer. Maintenant, nous allons prendre un autre texte, Luc 8, au verset 2. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Donc nous avons vu qu'ils ont une volonté, nous avons vu qu'ils réfléchissent, nous avons vu qu'ils se déplacent, nous avons vu qu'ils peuvent habiter des corps humains, et maintenant dans ce texte, nous avons vu qu'ils peuvent être à plusieurs dans un seul et même corps. Matthieu 12, verset 45 nous dit aussi, « Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui, les ramène avec lui, ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant, c'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. » Nous venons de voir dans ce texte, Matthieu 12, 45, qu'il cherche du renfort. Donc il cherche, si la maison n'est pas balayée, n'est pas nettoyée, ça veut dire les émotions, les pensées ne sont pas renouvelées, qu'il peut encore y avoir des portes ouvertes qui sont là. S'il y a des manques de pardon, la Bible dit clairement, si vous ne pardonnez pas, il nous livrera au tourmenteur, ce qui signifie qu'un chrétien peut avoir un démon. Et il est important aussi pour vous, serviteurs de Dieu, d'enseigner cela. Vous savez, l'ennemi est un menteur et il vous ment, il essaie de nous mentir, de nous faire croire qu'un chrétien n'a pas de démon. Mais ce sont des fausses doctrines. Si vous croyez cela, vous êtes aveuglé dans un domaine. Et il est important que vous critiquiez pas ces messages, mais que vous soyez assez humble et allez demander au Seigneur ce que lui en pense. Dieu, il n'en a rien à faire de nos théories. Dieu veut que les gens soient libérés et que les gens soient délivrés. Alors avant de donner des affirmations contraire à la délivrance et contraire à la guérison, ou contre la parole de Dieu, soyez sûrs parce que vous aurez à rendre compte, comme j'aurai à rendre compte, de chaque parole qui a été prononcée. Et au lieu de mettre sur les personnes, de dire « Ah, mais vous avez qu'à prier plus, ah, vous avez qu'à lire plus votre Bible et vous verrez, tout ira mieux. » Non, la Bible nous dit clairement qu'un chrétien peut avoir un démon. Elle dit par exemple, ne permettez pas la colère, ne donnez pas accès au diable. Et quand l'apôtre Paul parle, il parle à des chrétiens, il ne parle pas aux inconvertis. Donc nous voyons qu'il cherche du renfort, nous voyons qu'il existe aussi différents démons, parce qu'il part avec lui, il en cherche encore qui sont plus forts.
Cet autre esprit encore plus méchant que lui, ce qui signifie qu'ils ont une autre autorité, qu'ils ont une autre fonction. Mais pour nous, cela n'est pas important lors de la délivrance. Nous n'avons pas à avoir peur parce que la Bible dit que nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur une partie, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Donc pour nous, il n'est pas important de connaître les noms des démons, il n'est pas important de connaître la fonction des démons, il n'est pas important de connaître l'autorité ou la méchanceté qu'ils ont. Ce qu'il est important de savoir, s'il y a un démon, bah qu'on le chasse et c'est terminé, et de savoir qui nous sommes en Christ. Ne faisons pas une longue histoire, chassons-les, point à la ligne, basta. Luc 8, verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom ? Légion, répondit-il, car une multitude de démons était entrée en lui. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Or, près de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où il se noya. Ce texte nous démontre plusieurs choses. Premièrement, que les démons, que nous ne sommes pas des porcs. Donc, si vous avez des démons, ne les gardez pas, parce que c'est peut-être bon pour les porcs, mais c'est pas bon pour nous. Nous ne sommes pas des porcs. Rappelez-vous que les porcs, c'est un animal impur, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un juif, il est comparé à un porc, c'est quelque chose de terrible. Et ce texte nous démontre aussi qu'une personne peut avoir plusieurs démons en elle. Certaines personnes disent qu'un important troupeau comptait environ 2000 animaux, ce qui laisse supposer qu'une personne peut avoir jusqu'à 2000 démons en elle. D'autres personnes disent que c'est légion, et légion, une légion romaine, c'est 6000 personnes. Nous venons de voir, un troupeau de démons peut avoir 2000, légions 6000 personnes, donc une personne peut avoir plusieurs démons, comme nous l'avons vu dans le texte, il part et il cherche d'autres. Bien sûr, les démons ne rentrent pas comme ça, il faut qu'ils aient des droits légaux. Je vous recommande aussi, si vous pouvez faire l'école biblique par correspondance, et là nous avons tout un enseignement sur la délivrance. C'est une école biblique où on vous envoie des CD tous les mois à la maison, là vous avez un enseignement sur les portes ouvertes aux démons, pour savoir comment les démons peuvent entrer dans notre vie. Il est important de ne pas mourir, de ne pas vivre sans avoir la connaissance. Jésus dit que son peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mes amis, vous avez des possibilités pour avoir cette connaissance, profitez-en. Donc nous voyons que les démons parlent et ils essayent de marchander. Les démons supplient à Jésus de leur permettre d'entrer dans ses ports. Donc ils parlent, ils essayent de marchander. Et je vous rappelle que... Et ils peuvent aussi habiter dans les animaux, c'est ce que ce texte aussi nous montre. Et je me rappelle que ma femme m'a raconté une histoire, qu'un jour elle a prié pour un cochon d'Inde qui était malade, et ce cochon d'Inde est tombé à la renverse, il a crié, et il s'est relevé, il était guéri, tout allait mieux. Donc nous voyons qu'ils peuvent habiter dans des animaux, et pas que dans les cochons, aussi dans les cochons d'Inde. C'était une plaisanterie. Ils peuvent habiter dans tous les animaux, dans les chats, dans les chiens, et ainsi de suite. Donc si vous avez un problème avec votre animal... Avant des fois de l'amener chez le vétérinaire, ça coûtera moins cher. Imposez-lui les mains ou commandez au démon de le quitter. Et vous allez voir, il y aura peut-être des réactions si effectivement il y a un démon. Marc 1, verset 34. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler car il savait qui il était. Ce texte nous démontre que les démons reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent le Christ. Ils reconnaissaient Jésus-Christ. Comme le Fils de Dieu. Acte 19, verset 15. Et il est intéressant parce que Jésus n'était pas encore révélé. Mais eux le savaient déjà. Acte 19, verset 15 nous dit « Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Et après nous voyons qu'ils se sont fait rosser. Les démons sont sortis et ils ont rossé la personne. Qu'est-ce que ce texte nous démontre? Que les démons sont violents, mais que les démons reconnaissent qui a autorité sur eux. Ils reconnaissent que Jésus avait autorité sur eux, et ils reconnaissaient que Paul avait autorité sur eux. Les démons savent qui a autorité sur eux, et ils savent aussi, si les personnes savent qu'ils savent, parce que les démons vont toujours essayer, « Non, je ne sors pas. » Ils vont parler à travers la bouche des personnes, ils vont essayer de nous intimider. C'est pour ça qu'il est important que nous connaissions et que nous sachions qui nous sommes en Christ, des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Jacques 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?
un seul Dieu, c'est bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons croient qu'il existe un seul Dieu et ils en ont peur. Pour cela, ils tremblent. Cela démontre qu'ils ont des émotions. Donc nous avons vu, ils ont des émotions, ils tremblent, ils ont peur et ils sont conscients aussi de qui ils sont. Marc 5, verset 9 nous dit « Jésus lui demanda quel est ton nom ?»« Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et cela nous montre aussi qu'ils résistent lors de la délivrance. Ils vont s'opposer à notre autorité, gardons la foi et rappelons-nous qu'ils sont programmés pour obéir. Ils veulent des sacrifices aussi, ils veulent être adorés. Apocalypse 9, verset 20 nous dit « Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. » Nous voyons l'apôtre Paul aussi nous exhorte que nous ne pouvons pas partager la coupe des démons et la Sainte Cène. Donc, les démons, ils essaient toujours d'avoir l'adoration, ils essaient d'être adorés. Une autre caractéristique des démons, ils ôtent la dignité des gens, comme le gadaréen qui était nu. C'est encore un autre exemple. Acte 19, verset 16. « Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. » Ils les ont rendus nus. Et aussi les démons, cette nudité est une nudité aussi spirituelle. C'est pas juste une nudité naturelle. Bien sûr, il y a une nudité naturelle, mais ils essaient aussi de nous voler notre force spirituelle. Dans les domaines où ils ont une influence dans notre vie, nous n'aurons pas l'influence de Dieu. Parce que c'est pas possible qu'il y ait deux influences différentes. Ou c'est les démons qui contrôlent notre vie, dans certains domaines de notre vie, ou c'est Jésus. Donc nous venons de voir, en résumé, nous avons vu que les démons ont une mémoire. Ils se rappellent d'où ils sont venus, ils ont une volonté, ils réfléchissent, ils pensent, ils se déplacent, ils peuvent habiter des corps humains, ils peuvent être à plusieurs dans un seul corps, ils cherchent du renfort, il existe différentes sortes de démons avec différentes fonctions et différentes autorités, les démons parlent et essayent de marchander, ils peuvent habiter dans les démons reconnaissent Jésus, ils reconnaissent ceux qui ont autorité sur eux, dans ce cas ils reconnaissent aussi ceux qui n'ont pas autorité sur eux. Ils ont des émotions, ils tremblent, ils ont peur, ils sont conscients de qui ils sont, ils résistent à notre autorité, ils ôtent la dignité des gens. Et en conclusion, nous pouvons dire que les démons ont une personnalité, qu'ils ont une volonté, qu'ils réfléchissent, ils ont des sentiments, ils parlent. Ce sont des personnes, ils ont une personnalité qui n'ont pas de corps. Que Dieu vous bénisse richement. Les démons, nous avons vu d'où ils viennent, avec incertitude, il y a deux probabilités. Nous n'avons pas eu de clarté sur cela, mais j'aimerais parler sur un thème important. Marc 5, verset 9. Jésus lui demanda quel est ton nom. « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et certaines personnes, à partir de ce verset, commencent à converser avec les démons lors de la délivrance et enseignent qu'il faut converser avec les démons. Mais ma Bible dit qu'on ne doit pas avoir de relation avec les esprits. On doit, juste avec l'Esprit de Dieu, bien sûr. Là aussi, il y a des gens qui disent qu'on peut avoir de relations avec l'Esprit de Dieu. Pourtant, quand nous voyons la parole de Dieu, on voit que Dieu dit au prophète, il dit « Appelle l'Esprit des quatre vents qui viennent ». Donc, il a parlé à l'Esprit. Et nous pouvons parler au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu nous dit formellement dans sa parole de ne pas avoir de conversation avec les esprits. Donc, pour nous, si nous voulons faire de la délivrance, il est important que nous soyons scriptuaires. Nous voyons beaucoup de gens qui disent « Oui, peut-être il faut faire la Sainte Cène, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Et c'est pas parce que Dieu vous a conduit dans une occasion particulière à faire quelque chose qu'il faut faire une doctrine. La délivrance, lors de la délivrance, nous dépendons du Saint-Esprit. La délivrance est un ministère d'humilité, comme tout ministère. Tout ministère devait être exercé dans l'humilité, ce qui signifie dans la dépendance du Saint-Esprit. Nous sommes en danger quand nous croyons que nous savons tout et que nous connaissons tout. Oh, nous allons faire maintenant, nous allons simplement y aller. Non, faites la guerre avec prudence. C'est vrai, nous combattons un ennemi vaincu, mais c'est comme encore un ennemi qui est rusé, qui a de l'expérience. Et pour ça, allons-y avec prudence. J'ai pas dit avec crainte, j'ai pas dit avec peur, j'ai dit avec prudence. Il y a une différence entre la prudence et la peur et la crainte. Nous devons y aller avec foi et avec un esprit de foi, mais toujours avec humilité, en nous laissant diriger, guider et conduire
par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité, et c'est lui qui nous conduit lors de la délivrance, c'est lui qui nous conduit, qui nous révèle les problèmes des gens. Des fois, les problèmes des personnes sont des problèmes de délivrance, mais avant qu'ils puissent recevoir la délivrance, ils ont peut-être besoin de recevoir une guérison intérieure. C'est pour ça, soyons sensibles à la direction du Saint-Esprit, laissons-nous guider dans la délivrance par ce dernier, et vous allez voir, nous obtiendrons les mêmes résultats que Jésus parce que nous employons les moyens, les méthodes de Jésus. Si nous voulons obtenir les résultats de Dieu, il est important d'utiliser les méthodes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.